Alors, j'ai découvert HoloRun par le biais de Serge, qui est le fondateur de justement HoloRun et Sapient Group. C'était une connaissance, donc j'ai. À l'époque, je faisais du MLM et je l'avais invité lors d'une présentation. Et du coup, on est resté en contact, on a bien sympathisé. Et il m'a fait part de ce projet il y a très longtemps. J'avais même vu tout le projet longtemps avant, c'est-à-dire les cartes Flash Money, etc., longtemps avant. Et tout ce qu'il a réussi à matérialiser dans sa qu'il avait dans sa tête, il a réussi à le matérialiser. Et petit à petit, ben, j'ai vu que ça prenait forme. Et lorsque HoloRun a démarré, Serge m'a contacté. Il m'a expliqué justement que c'était en place il y a un peu plus d'un an. Je lui ai présenté quelques personnes, dont Jocelyn, et donc le réseau a démarré ici. Et j'ai vu justement la véracité de ce qu'il avait mis en place et l'efficacité. Et j'ai commencé justement j'ai pris mon pack et j'ai développé un réseau. Après, j'ai laissé un petit peu le réseau parce que j'avais d'autres choses à faire de mon côté. Ça s'est développé. Et depuis quelques mois, vu le développement du réseau et qu'il fallait justement équilibrer patte droite et patte gauche dans le MLM, j'ai commencé à m'y mettre à fond. Et en quelques mois, j'ai eu des résultats qui ont été vraiment importants au niveau financier et aussi au niveau développement du réseau. Et j'ai commencé aussi à comprendre vraiment la vision de Serge et à lui présenter des personnes qui étaient aussi dans cette même vision, qui ne le connaissaient pas. Et qui m'a conforté dans mon choix et dans le fait que je le développe aujourd'hui et que j'ai beaucoup d'espoir dans l'avenir par rapport à ça. Alors, c'est vrai que pour développer un réseau, alors c'est très simple, c'est le marketing relationnel, donc c'est le relationnel autour de nous. J'ai connu l'industrie du marketing de réseau, moi j'avais 21 ans, j'étais chef d'entreprise dans le bâtiment et j'ai eu justement ma première expérience dans le marketing de réseau où on a vraiment fait de gros chiffres, de gros scores et on a connu ça vraiment dans le vif du sujet. Le plus dur de marketing de réseau on l'a fait et c'était vraiment, c'était pas aujourd'hui il y a des zooms, nous c'était présentation physique tous les jours, accompagnement et donc j'ai connu le MLM à travers ça et si je peux dire aujourd'hui la qualité pour être un bon réseauteur ou quelqu'un qui va pouvoir développer des réseaux, c'est vraiment déjà être vrai, être soi-même, travailler, se mettre des objectifs en place et créer du relationnel autour. C'est-à-dire, il faut aujourd'hui être convaincu pour être convaincant. Donc si aujourd'hui je suis convaincant par rapport à ce que je parle de HoloRun, c'est parce que j'ai été convaincu. La vision de Serge, les projets, tout ce qui est aujourd'hui l'application Apple, le back-office, tout ce qui fait aujourd'hui la réalité de ce business, fait que ça m'a convaincu. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'en parle, je suis convaincant. Et pour développer un produit comme HoloRun, le côté financier, on a juste à montrer le produit du produit, c'est-à-dire on est le produit de son produit. Je montre les intérêts que j'ai eus. Les gens veulent aujourd'hui des intérêts comme ça, parce qu'à la banque, aujourd'hui, c'est 1%, 3%, 7%. Ici, c'est des pourcentages qui dépassent l'entendement par rapport à un système traditionnel. Et donc, j'ai été le produit du produit. Et ensuite, il faut savoir créer de la cohésion autour de soi et aider les personnes qui sont novices à comprendre l'industrie du MLM, ce que ça peut apporter, c'est-à-dire travailler avec qui on veut, quand on veut, le temps et l'argent, et les amener sur la voie de développer un réseau, de construire leur réseau et de maintenir ce réseau à flot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que maintenant, le marketing relationnel, c'est beaucoup des zooms. Donc avec tout ce qui est l'apparition des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp aussi et Telegram, c'est plus la même façon de travailler, c'est beaucoup plus simple. Par contre, il faut garder cette proximité de réunir les personnes comme un événement comme aujourd'hui et le faire le plus souvent possible parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant tout, on est des humains et c'est le relationnel qui compte. Et par contre, c'est vrai que le développement de Zoom et des réunions le soir en Zoom, c'est beaucoup plus simple que de prendre une salle, de la louer tous les soirs, de remplir du monde, de faire déplacer du monde. Donc, il y a une facilité dans le développement des réseaux aujourd'hui qui n'était pas avant. Quelqu'un qui s'intéresserait au HoloRun, dans un premier temps, ce serait déjà de comprendre son pourquoi, qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui font du MLM, c'est des personnes qui veulent changer quelque chose, qui veulent sortir du système traditionnel. Donc déjà, il faut qu'ils comprennent si déjà il a envie de faire différent des autres, s'il a envie de faire des intérêts qui ne sont pas dans le système traditionnel, s'intéresser au produit, le comprendre et le faire. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de le faire. Il y a la façon de le faire en tant que client, donc comme sur un système traditionnel, avoir des intérêts sur les produits
financiers de HoloRun ou également les produits physiques, c'est-à-dire les produits de bien-être pour la peau, cosmétiques, etc. Et de déterminer son pourquoi il fait ça. Qu'est-ce qu'il veut faire? S'il veut faire des compléments de revenus, 200, 300, 400 euros par mois en plus avec le réseau, ou s'il veut vraiment faire du large avec la compagnie et créer l'indépendance financière, c'est-à-dire avoir le temps et l'argent de pouvoir profiter de sa vie.